Bon. Elles sont où les clés? T'as paumé les clés? Non, j'ai pas paumé les clés. Si, si, t'as paumé les clés. Non, faut les chercher. Ah, merde. C'est pas à moi. Si, 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 ça doit. Oui, ça doit l'être. Faut qu'on ouvre ces portes, hein. Ouais. Et en plus, faut trouver le fusil. Oui, on l'a trouvé. Oui, il faut le remplacer. Faut le remplacer. Si vous avez vu le présent épisode, on voulait placer un fusil et ça fermait la porte. Tu parles à qui, là? Ah oui, pardon, bah ils sont là. Ah ouais, merde. Bah oui, ils sont là. Ils sont là, les viewers. Bah ouais, sans plus attendre, on va leur dire bonjour. Eh bien, bonjour à tous, c'est Lucéa. C'est Pandémon. Et on se retrouve aujourd'hui déjà pour le 4e épisode de Resident Evil 7. T'as vu le Resident Evil 7? Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Enfin, bref. Bah ouais, faut trouver les clés. Mmh. Alors, bon, on l'a vu en off, c'est 3 têtes de chien, 3 clés en tête de chien, si j'ai bien compris. Ouais. Hein. Et puis, sortir d'ici. Oui. Voilà. Et puis, essaye de trouver quand même le fusil, parce que je pense que, vu ce qui attend par la suite, à mon avis... Bon, bah, si eux, ils veulent vraiment savoir, ils ont plus qu'à aimer. À commenter. Bah, à partager. Et à vous abonner. À la page Facebook. Et à la chaîne YouTube. De Doucea. Et Pantémor. De Gaming. Et bah, sur ce, sans plus attendre, on y va maintenant et... Let's go. Voilà. On était là. Voilà. On était là, après avoir découvert cette salle de bain dégueulasse, après avoir retiré l'eau et avoir trouvé que ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était crade, quoi. Hein. Enfin. On y va. Ah putain! Ça surprend, tu trouves pas? Oui. Encore plus fort que la mort. Oh non! Il se régénère. La petite fille nous a donné un don. Et ce don est avec moi en permanence. Ah! Comme tu peux le voir, la famille n'est qu'une partie de son don. Mais je veux rien voir, moi. Je vais me recacher. En un mot commençant... T'es foutu! Non. Pas maintenant, non. Où ça? Où je dois aller? Il est plus là? Il est plus là? Parti. Mamie aussi, elle est partie. Non. T'inquiète, ils vont revenir. Oui, bah oui. Bon. Il faudra pas longtemps qu'on trouve, tu es. Hein? Il est revenu. Faudra pas oublier de mettre la deuxième cassette. Ah oui. Oui, oui. Tu prendras pas longtemps pour nous retrouver. Bon. Ah oui, on a la cassette. Oui, oui. Bon, le fusil, on l'a pas. Donc le fusil, c'est ici. Là où j'y retourne plus, mais à mon avis, Papy Brossard, il va trouver un moyen de nous retrouver. Là-dedans, il y a quoi? Poudre à canon. Ouais. Voilà. On ferme parce que... Encore une pièce antique. Ouais. Fait 3 euros. Téléphone, bon, il n'y a personne. Ah, ah, c'est ça. Oui, parce qu'on vous ment pas. Avant de commencer cet épisode, on a fait qu'est-ce qu'il faut faire au fait. Du coup, hop, obtenir les 3 têtes de chien pour ouvrir la porte. Faut trouver... les obtenir déjà. Déjà. On n'en a pas une seule. Trouver l'entrée de la zone de traitement. On l'a pas trouvé. Et obtenir le fusil. On sait où il est. J'ai entendu une porte. Non, c'est celle-là. Bon. Donc, cassette, logiquement. C'est derrière cette. Oh, quelle violence. Putain. Non, mais attends, c'était loin la cassette maintenant. C'est loin. C'est très loin. Non, mais rigole pas, c'est loin. Ah bah quand on a peur, tout est loin, hein. N'essaie pas de filer. T'es où? Il était à gauche. T'es où, du con? Du con? T'es où? Oh, merde. T'es où? Ah, je l'ai vu. Oh oui, il est là-bas. Montre-toi, montre-toi, sors de ta cachette. Sors de ta cachette, sors de ta cachette, je voudrais bien t'y voir. Salut mon gars. Tu m'as trouvé. Ce que j'allais dire, t'as vu là. Bon, c'est pas grave, on va le contourner. Voilà, viens, viens, viens. Et je me casse. Je me casse. Garage? Non.
Ah, il s'énerve. Cachette. Ah, il s'est fait mal. M'en fous. M'en fous. Je sais pas pourquoi je passe là-dedans, mais j'y passe. Fiche. Hein? Mais t'avais, tu pouvais lire la. Ah non, j'ai dit une bêtise. Non, excuse-moi. Bon, il y avait rien ici. C'est la panique sur les boulevards. C'est fou ces portes qui se ferment toutes seules. C'est courant d'air. Ah oui. Ah, on est dans la cuisine. Oh putain, je sais même plus. Ah oui, alors ce jeu est un Peggy 18, mais mes vulgarités sont un Peggy 18, hein, donc. Oui, non, mais là pour maintenant. Clé, cuisine, salle à manger, buanderie, garage. Et la cassette, je crois que c'est en haut. Regardez la lire, il me semble que c'était en haut. Bien. D'après l'écran, vous êtes 25 à nous regarder. Hop. Il t'a pas compris quoi, lui? J'étais tellement inquiet à ton sujet. Non, moi j'étais pas inquiet à ton sujet. Ah, ça y est, il peut pas aller plus vite. Alors, apparemment, quand on ouvre ouais, ça le fait, la trappe, ça le fait barrer. Tant mieux. Bon, ouais. Tant mieux, mais moralité, je me sens coincé. C'est où il y a la chambre de la vieille. Non, pas en haut. Chambre de la grand-mère. Ok. Là où il y a la chambre, tu peux lire la cassette. Autrement dit, je me suis bloqué dans cet endroit-là. Uh-huh. Formidable. Bon, ça me... Non. Bon, vous savez quoi? J'en ai marre. D'accord. On va tout chier. Bon, je sais pas pourquoi. Je repasse de l'autre côté, j'ai envie de faire un tour. Ouais, fais le tour. Crap, on sent le dehors. Putain, c'est juste du bois, quoi. Des coups de pied. Oh là 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 là. Et là, j'aime pas ce passage. Où il y a un abruti qui rôde dans le coin. Y'a pas quelqu'un qui peut répondre par hasard? Non, pas là, non. Bon. C'est pas grave. La grosse malle, on y avait touché, je crois. Ah oui, c'est le coffre où je pouvais... Stocker. Mise avec des cartouches combinées avec le vide jumi pour créer des munitions de pistolet. Ouais. On va tout laisser pour l'instant. Attends. J'aime bien quand la jolie musique elle s'arrête, tu sais. Ouais. Alors attends. Ok, toujours. Ouais, suivre le couloir, grande porte dans le hall principal, monter. Ok. Donc au pire des cas, s'il arrive, on court les gens, d'accord? Vas-y, cours. Maintenant? Comme tu veux. Ouais! Mon dieu! Il m'entend pas, il est pas là! Ah putain! Non! Tu perds ton temps! Voilà. T'as fait un trou pour rien, parce que je suis passé. Pour rien, non. On s'en fout. Je stresse. Faut monter. Chambre de mamie, tout droit. Oh putain. Il va pas me suivre jusque là.
Ah, c'était pas là, c'était la chambre d'enfant. De côté. Chambre de mamie. De côté. Ah, faut passer par l'intérieur. Cette porte-là ne se ferme pas? Ferme-toi. Eh merde. Donc la chambre de mamie est juste en face. Donc effectivement. Cette clé? Non. Clé scorpion. D'accord. Il me stresse. Ah, cassette! Oui, je te l'ai dit. Vite, cassette! Je vais regarder un film, un Disney. Voilà. Mia, elle est pâte. Ah non, c'est pas ça. C'est Léa. 19 juillet 2017, 9h28. 21h28. Merde, j'ai ma tasse qui est vide. Ethan, please watch this. Ethan, please regarde ça. La cassette vient, on dirait qu'elle vient de faire un bond d'une heure. Ethan, si tu trouves ceci, je sais que je ne peux rien attendre de toi. Pas après ce qui est arrivé, après ce que j'ai fait. Mais je veux juste que tu saches que c'était pas moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a tellement de choses qu'il faut que tu saches. Ah, te voilà. Nous étions très inquiets, jeune fille. Maintenant, c'est la maman. Je joue Mia? D'accord. Ah oui, d'accord. Avec la cassette, on joue les protagonistes. Tu veux essayer de venir? Non. Elle va essayer de venir. Eh ben, nous, on va essayer de rentrer. D'accord. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible. Ah, on veut pas que je rentre. Par ici, maman. Oh. Oh non. Oui. Ils ont pété la télé. Oh, mais on est en train d'éteindre les. Ah ah ah, une trappe? Je vois pas ce que c'est. Non, je suis déjà. Ça va me sauter à la gueule. Je sens que ça va me sauter à la gueule. C'est horrible. L'épisode n'est pas terminé, nous, Céa? Non, non. Non, non, hein. Non, non. Bien sûr. Oh, c'est dégueulasse. Il y a quelqu'un qui est rentré, j'en suis sûr. Peut-être maman. Ça va sauter à la... Non. Oh putain, je sais pas quoi faire. Ah, porte. C'est bon. Oh putain. Ah, je suis vraiment lasse. Quoi? Ah. Ah non! Faut que je me cache. Ah! Retourne dans ta chambre immédiatement. Voilà, voilà. Retourne dans ta chambre immédiatement, la dame Alady. Ça va aller.
Échappe à Marguerite, cachez-vous derrière les éléments de décor pour éviter Marguerite. Non, c'est pas vrai. Demi-tour rapide. Jamais utilisé, pas besoin. Ok. On y retourne. Allez. Alors. Donc, pièce à se cacher là-dedans. Je suppose. Bon, ça c'est bon. Il faut que je me cache. Voilà. Il faut que je me cache. C'est tout ? Je sais pas. Mais cache-toi. On va faire mieux. J'ai fait pour mériter ça. À part t'ouvrir ma maison et te nourrir. Et ça se barrer. Je pense. Bah dis donc si je le. Elle est là. Mais tu veux, tu vois, voilà. Je comprends pas du tout. Laisse Marguerite aller se planter. Et apparemment, faut pas bouger quand c'est comme ça. Ah. Non, quand elle te pour... quand t'es caché, faut pas bouger. Je fonce à ma vitesse. Ah. Je me cache où ? Je sais pas, mais prends... C'est pas le moment. Ah ouais, tu m'étonnes. Je comprends pas ou... C'est simplement que tu t'en fiches. La poubelle ? Je sais que vous comptez avec Zoé. Je sais bougez, que vous pas bouger. Quelque chose. Tu crois que je ne sais pas ce que tu veux faire avec cet Ethan ? Ethan, c'est mon copain. Hein? Oh là 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 là. On te conseille vraiment de pas bouger. D'accord, je suis là, je bouge pas. Mais apparemment, tu seras à vue. Ne bouge pas! Bouge pas. Putain, deuxième mort! On disait bouge pas, mais t'es à vue. Donc à savoir si c'est effectivement fallait bien être planqué là ou pas. J'en ai pas l'impression. Bref, on recommence. On va se remettre à faire des jeux d'aventure tout tranquille. On y retourne. Ah, ça va. C'était caché ici. Ok, bon. On peut pas se cacher là-dedans. Non. Et on peut se cacher où ? On peut se cacher où ? Je ne comprends pas où. C'est simplement que tu t'en fiches. On peut se cacher où ? Je sais que vous complotez avec Zoé. Je sais que vous mijotez quelque chose. Derrière les portes, on te dit. Je ne sais pas ce que tu veux faire avec cet Ethan. Sur le balcon à droite de la porte. Ok. Ouais, mais j'y retournerai après. Hein? Mamie Brossard. Mamie Brossard approche. Mamie.
Quel est donc ce remue-ménage? Non mais je l'entends pas quoi. Qu'est-ce que je fais? Oh, puis j'entends des bruits de pas à droite là. Qu'est-ce que je fais? Je te jetterai en pâture à mes bébés. Pas bouger. Caché, pas bouger. Mamie, l'appelle pas. Nous t'ouvrons nos cœurs. Et ouais. Toi, que fais-tu? Ah, vas-y, vas-y, ferme la porte. Ouais. Ah oui, d'accord, le con. Il y avait une cachette ici. Un lance-flamme? Je sais pas, ou un pistolet à peinture, mais... Ouais. Et je peux rien faire avec? Non. Et c'est pas une porte. Et il y a rien d'autre. Il y a rien d'autre. Et descendre par là, j'imagine que non. Putain, mais ce truc-là sert à quoi? Mamie, pour... n'est pas en train de revenir. T'es arachnophobe, c'est ça? Ouais, un peu, beaucoup. Dans tous les cas, elle fait une ronde apparemment. Ouais. Mais pour échapper à la vieille, t'as un tableau avec une araignée. Le prédateur venimeux, pourquoi y a-t-il une silhouette blanche? Parce que c'est une Mighty K. Bon, tant qu'elle est pas là. Tant qu'elle est pas là, bah je peux rien faire. Ah oui, c'est vrai. Échapper à Marguerite. Ok, pas de soucis. Ah, d'accord. Voilà. Faut reconstituer la Mighty Cup. Non, ça va, du moins qu'elle vient pas entre deux. Alors, une araignée. Non. Ah. Presque. Bon, déjà, c'est dans ce sens. Ouais. Ah, parce que ça joue sur l'ombre, forcément. Mmh. Alors, je vois deux. Ouais. Alors, le corps, ok. Le corps est. Dans ce sens. Ah, on va rester bloqué quelques instants dessus. Je vous préviens tout de suite, le viewer. Très bien, on est sur une énigme toute bête. Non, on dit qu'il est vraiment assez difficile à reproduire. Ah, je l'avais il n'y a pas longtemps, ça le pire. Alors, je vois à peu près où est-ce. Ah, des fois, je remarque là, sous la. Voilà, la silhouette. Ah! Non. Oh! Mmh. Ah,
Non, toujours pas. Pas maintenant. C'est qu'elle pivote que dans un sens avec le joystick gauche, puis avec le joystick droit, tu peux faire ce que tu veux. Ouh! Oh, ça m'emmerde. Non, parce que les grosses pièces deviennent petites suivant l'inclinaison. Ah 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 ah. Là, ah 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 ah. Tu es presque. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, je sais. Ah, ah, ah. Ouais. Oh, allez-y, les gars de chez Capcom, j'y suis là. Allez, on y est. On va pas rester planté jusqu'à la fin de cet épisode sur ça. Essaye de valider quand c'est comme ça. Ah oui, on peut faire OK. Voilà. Ouais. Ça a ouvert quoi? Où? Ça a ouvert ça. Ça pue que ça soit aussi safe. Mmh. Dites quoi comme connerie sur les commentaires pendant le tournage en direct. GG, il a trouvé la touche. Je savais pas qu'il fallait valider. Je ne savais pas. De l'eau, de l'endroit pour se cacher. Quoi? Soyons une famille, bon sang. Toi, toi! Plante-toi, bouge pas. Tout ce que tu dois faire, c'est accepter son satané don! T'es où? Nous t'aimons! Ouvre les yeux! Je me bats. Non. Non, 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 non. N'essaie même pas de fuir ta part de responsabilité. C'est sans issue, jeune fille. Je vais à l'instinct. À l'instinct. Bah, l'instinct n'est pas de mon côté. On dirait une pièce de mécanisme. Non, tu déconnes le jeu. On dirait. On dirait. Pas sûr. Une jolie femme avec sa jolie fille. Ah! C'est ton cri qui m'a fait peur. Oh! Où crois-tu aller comme ça? Pleine tête. Bon. Elle est pas ouh, belle, non pas chère. Je prends regarder encore sur la cassette. Non, elle est pas belle. Oh. Bon. Fais bien dérouler la cassette. Bon, ça nous fait gagner du temps. Hein. C'est du 240. Ah oui, puis, ah, et puis en LP en plus, ouais, en version longue, ouais, c'est une cassette de 4 heures. Donc voilà, amusez-vous à regarder cette image-là. Non, rien. Non, pas là, là. Non, bon, on va la stopper nous-mêmes, cette cassette. Bon, on peut pas. Ça y est, il déroule. Ah, il déroule, ça y est. On arrive à la fin de la bande. Non, non, je vous conseille ce jeu. Allez-y. Je trouve qu'il est trouvable à des prix assez sympathiques. Donc ça, en fait, pour constater, c'est un temps de chargement. Hein. Donc ça peut être assez long. On en profite, hein. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à partager, à vous abonner.
la page Facebook, la chaîne YouTube, tout ça, voilà. Tout ça. Le CA. Quand t'es mort. Voilà, gaming. On fait plein de jeux. Là, c'est le passage détente, hein, vous voyez. Voilà, on se détend plus. Alors, objectif. Toujours les trois têtes, toujours le fusil. Et... on a toujours l'histoire de la chambre à mémé. Hein. Enfin, la chambre de mémé. Hein. Oui. Alors, on ça, c'est... ouais, on l'a lu... voilà. Excuse-moi, de serre, on l'a lu tout à l'heure. Neymar. Le bouquin, c'est fait. On avait trouvé déjà... une clé. Regardez, vous savez comment je suis cinéphile. Voilà. Eh ben voilà. C'est vrai que t'as pas fait ça avec les miennes. Bah tiens. Ah, j'ai pas fait ça avec les miennes. Qui veut un smoothie? Bon allez, revenons au sérieux. N'oublie pas qu'il y a ton copain. Hein. Mon copain? C'est celui qui te poursuivait. Le papa? Il y avait quelqu'un qui te poursuivait. Oui, mais il est plus là. Oh, mamie! Mamie! Donne-moi le fusil! J'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Bon. Obtenir ces trois. La légende. Porte serpent, porte scorpion. Donc là, c'est porte scorpion. Oh, j'ai entendu quelqu'un. Non, non, déconnez pas. Il y a une clé quelque part. Il y a une clé. Vos fléchettes. Je voudrais bien, mais là, pas possible. Oh. On nous conseille l'horloge. 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 Dans le grand salon. Genre, faut retourner en bas. C'est pour ça que je te dis qu'oublie pas qu'il y a ton copain. Genre retourner là-bas. Y'a pas une autre horloge ici? Non mais sérieusement, faut vraiment retourner en bas. Bon. Non, je peux pas. Ah, je m'en doutais. Pas là maintenant. Je m'en doutais. Comment t'es méchant. Non, je suis pas méchant. Comment t'as peur alors? Non, je n'ai pas peur. Si, ah, si, si, je fais peur. C'est le compteur de l'épisode là. Il a dit c'est fini pour aujourd'hui. D'accord. Voilà. Donc ça sera pour l'épisode 5, hein? D'accord. Hein, on ira à l'horloge. Ouais. On trouvera la clé qui probablement est dans l'horloge, d'après ce qu'on nous dit sur le chat. Et aller chercher le fusil. Voilà. Pour remplacer, chercher l'autre fusil. Ouais. Et on verra ce qui se passe après. Hein. Ah oui, les allers-retours là. Mais moi, je vais pas le recroiser le vieux. Mon avis, pas choix. Bon, bah si vous voulez voir le cinquième épisode de Resident Evil, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager, et de vous abonner à la page Facebook, et à la chaîne YouTube, et de Doucet, hein, et pour Téma, me gaming, bref, pour ceux qui sont en direct avec nous pendant la soirée spéciale de l'Orche Rouvant de ce premier Let's Play, bah restez, hein, dans quelques instants, on repart pour un cinquième. Je te suis. On est parti. Oui. Bon, bah très bien, pour les autres, ça sera dimanche prochain sur la chaîne, en attendant, on vous dit... bonjour.